Yo mes gros, c'est Kenny, j'espère que vous avez bien mangé, en tout cas moi j'ai très bien mangé, mon petit frérot Max, comment ça va? Ça va, j'ai bien mangé aussi. C'est vrai? Ouais. Petit frérot Max, où nous sommes? Nous sommes chez Happy Fitness à Lesvillers. Encore une fois, ils nous accueillent pour qu'on puisse exploiter les lieux dans le cadre de la perte de poids, mais aussi pour les vidéos, c'est un studio géant à notre disposition. Nous sommes dimanche, c'est fermé, mais ils ouvrent rien que pour nous. Là, j'ai mon petit sac, Max a son petit sac. Qu'est-ce qu'on va faire, mon petit Max? On va aujourd'hui, c'est séance bien-être du coup. Oh, petit sauna, séance bien-être. Petit hammam. Ouais. Petit hammam. Et voilà. Et tu sais que je suis en stress? Ouais, pourquoi? Parce que je vais devoir me foutre torse nu devant toi et devant Edwige. Bien sûr, les abonnés ne le verront pas. Hein. Tu sais ce que je vais faire là aujourd'hui devant toi, Max? C'est une preuve d'amour. Ouais. La première personne qui m'a vu torse nu, c'était ma femme. La deuxième, c'était la flèche. Tu es la troisième et toi aussi. Bref, le petit like, le petit abonnement, la petite cloche des notifications. Vous avez jusqu'à moins 50% avec le code Kenny chez MyProtein. Et pour tout ce qu'il y a derrière moi, je vous jure que c'est dispo chez Cdiscount, les gars. Tous les liens sont en description. Je tiens à emmerder toutes les personnes qui vont dire « Ouais, Kenny, t'as pas encore atteint ton objectif perte de poids, c'est pas le moment que tu te détendes. » Je vous emmerde. On y va. Oh, le jeudi, votre spa est réservé aux filles. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On aime bien avoir nos femmes, nos sœurs et nos mères tranquilles, sans se faire chier par des mecs. Ok, petit sèche-cheveux, Max. Toi, t'en auras pas besoin, du coup. Pourquoi j'ai ces cheveux? Moi, regarde ma belle barbe. Ah, mon droit? Non, ça va. Ah, ok. Oh, oh, ok. Ok, les gars, ok. Petit jacuzzi. Petit hammam. Oh, petit sauna là-bas. Ok. Et là? Et là, et là? Ok. Petit coin détente. Donc, on est dans le coin le plus paumé de France. Il y a plus de machines que d'habitants. Mais, personnellement, je ferai la route. Parce que, bien sympatoche. Let's go, hein. On commence par quoi? Bah, à ta guise, hein, écoute. On se change? Max! Et t'as tout la dégaine du blé d'Arthré. Ouais. Ok. Arnemen, Herbe de la Sarah. Ok, Max, monte voir, attends. Petit gros plan. Ok, c'est bon, les gars, on est frais. Max, honneur à toi. Ah ouais? Je te laisse. D'avoir la fumée qui sort. Vas-y, rentre, non, vite, vite, direct. Il est con. Ok, moi je set up la GoPro, comme ça une fois que je suis dedans, je vous parle. Putain, les gars, j'en profite qu'il n'y ait personne. Un jour, j'aurai plus de complexe, putain. Quoi? Je dois prendre une bonne respiration parce que je vais m'étouffer sinon. C'est parce que la chaleur monte. C'est vrai, c'est pas faux ça. Mais oui. Mange ta part. Il est vraiment con, putain. J'espère que vous m'entendez bien, les gars. Une fois à l'intérieur, je retirerai mon t-shirt. Je rentre. C'est parti. Expérience. Hammam 50 degrés avec le frérot Max. Ok. J'y vais en mode urbex, les gars. Oui. Oui, c'est pas pour moi. Il n'a pas laissé dans sa protection. La GoPro, elle va surchauffer. Il fallait la laisser dans la protection. Wesh. Wouah, c'est chaud. Ok les gars, première expérience torse nu au bout de 3 minutes. Je vous cache pas, j'ai du mal à respirer. Quand je prends la température, dans ma gorge et tout, je le sens. Mais ça fait du bien, ça détend le muscle et tout. Mon petit mal de dos, il est réglé. Ok les frérots, au bout de 5 minutes dans le sauna, torse nu, avec le frérot Max ici. La respiration s'est habituée. Je filme pas trop à la GoPro parce que vous savez, la batterie elle peut me péter dans les mains, les gars. Il fait super chaud. Et il y a le frérot Edwige qui nous a rejoint. Salut les chefs. Voilà. Ok les frérots, 10 minutes qu'on est dans le hammam. Il commence à faire chaud. La peau commence à rougir. On a trop transpiré de ouf. On va sortir, on va pas jouer avec le feu, mais au moins on a vu ce que ça faisait.
Ça fait du bien. De fou. Oh la vapeur. Ok, je prends une douche directe. Oui. Elle est froide. Moi je suis tout rose. Oh putain, quel bonheur les gars de pas avoir de putain de t-shirt. Putain. T'as envie de te toucher. C'est normal, elle est chaude là. Ok les gars, j'ai pris la petite douche. Ça fait du bien putain. Des impressions. C'était pas mal, hein. C'est du bien. Ça chauffe bien. Après 50 degrés, ouais, ça chauffe de ça ouf. Ça chauffe très très vite. Ouais, de ouf. Je suis choquant ou pas physiquement? Non, ça va. Arrête de mytho. J'ai déjà vu pire. Hein. Ah ouais? Sérieux? Ouais. Edwige, c'est comment? Ça va, c'est trop bien. Ah, tu kiffes? Ouais, profite Edwige. Ok. Vas-y, t'as ton téléphone ou pas de spi? On va voir en attendant les bienfaits du hammam. C'est un hammam à vapeur, c'est pas un hammam turc ou syrien ou autre. On va regarder les bienfaits du hammam, comme ça on les lit un peu, tu vois. On les partage aux abonnés. Oh, il fait bon. Ok, les gars, première vidéo torse nu, ma gueule. Ne vous inquiétez pas, la barbe, bientôt elle sera. Il y en a plein qui critiquent ma barbe. Putain, je pensais pas qu'un jour j'allais me faire critiquer sur ma barbe. Vous allez voir bientôt. Une séance de hammam fait perdre de l'eau à votre organisme, augmente la température du corps et active la circulation sanguine. Le hammam permet également de renforcer votre métabolisme. Il raffermit la peau et favorise l'élimination des graisses et de la cellulite. Donc en gros, quand c'est trop chaud, ça accélère le rythme. Quand c'est trop froid aussi. Et là, le fait que ça soit bien chaud, ça ouvre les pores, ça fait transpirer. Ça raffermit la peau. En gros, ça purge le corps, Zarma. C'est ça. Et ça fait quoi physiquement, genre? Ça te nettoie la peau, ça t'enlève les points noirs, ça te fait des trucs ou pas, tu penses? Ça permet l'ouverture des pores et un nettoyage en profondeur de votre peau. Donc t'auras une peau plus douce et plus nette. Et c'est des combien le temps dans un hammam normalement? C'est combien de temps? Entre 10 et 30 minutes. 10 et 30 minutes, on est resté 10 minutes pour une première fois. En vrai c'est lourd. Ça va Edwige? Ça se... Oui! Oh, j'ai failli me casser la gueule. Ça va Edwige ma gueule? Oui, ça va. Tranquille? La pêche. C'est bien ou pas? Ouais, ça va, ouais. Hein. Alors, ça fait du bien? Ouais. T'es resté combien de temps? Ouais, c'est fini, pareil, c'est bon. Ok, BG. Les gars, vous avez kiffé? Ouais, on refait une petite session ou un truc? Ouais. Tu veux? Espèce de afrit. On fait une session à 3 les gars? Vas-y. Vas-y, go. Hein. Vas-y. Ok les gars, deuxième round. On retourne dans le hammam pendant 15 minutes cette fois-ci avec le frérot Edwige. Salut chef. Et avec le frérot Max. On nous voit un petit peu mieux normalement, mais vous comprenez avec la vapeur, c'est compliqué et j'évite les vidéos de plus de 20 secondes. Ok les gars, c'est encore pire que la première fois. J'ai l'impression que je suis deux fois plus chaud que quand je suis rentré tout à l'heure. Et là quand je fais ça, je goûte sa mère gros, waouh. Ok. Ok les gars, c'est terminé. Deuxième round, Max. T'en as pensé quoi mon ref? C'était pas mal hein. Ça fait du bien. Ça nous a fait du bien. Le petit chaud froid tout. On a bien transpiré. Grave. Tu sais que là le fait d'avoir bien transpiré sa mère ici, ça nous fera moins transpirer au soleil de tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Edwige. C'était bien. T'as validé? Ouais. Les gars, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Détente, chill, n'hésitez pas. Un grand merci à Happy Fitness qui nous accueille. Sauna, hammam, jacuzzi, salle de sport de fou malade, électrostimulation, UV, il y a la totale. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas loin. Même si vous êtes un petit peu plus loin, faites la route, ça vaut le coup. Merci à vous les gars pour votre participation. Voilà, avec plaisir. Merci des humains que vous êtes les frérots. Grâce à vous, je m'assume de plus en plus. Et je me sens pas jugé du regard les frères. Okay. Un bisou sur vos calvasses. Et c'est moi qui juge à la fin. A bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kenny, Edwige et Max. Ciao. Ciao.